Salut les gars, salut les filles, salut les explorateurs. Je suis tellement content d'être avec vous aujourd'hui. Et pour cette occasion, je vous ai amené au parcours de santé qui est juste à côté de chez moi. Alors vous savez que bientôt l'école va reprendre et qu'il va falloir être en forme pour la rentrée, retrouver les copains. Et pour ça, j'ai pensé que ça serait bien de commencer cette vidéo par un peu d'exercice. Alors, est-ce que vous êtes prêts à venir avec moi? On y va? Prêt? Vous m'avez suivi, vous avez un peu couru avec moi. Alors maintenant, on va faire un petit exercice. Vous êtes devant votre écran et vous allez faire quelques flexions, extensions. Alors regardez avec moi. Attention. Flexion, extension. Flexion, extension. Flexion, extension. Ok? Alors je vais courir et chaque foulée, je vais faire une flexion, extension. Chaque fois que je fais une flexion, extension, vous en faites une aussi, d'accord? Donc il faut être attentif, vous regardez bien et vous me suivez. C'est un peu difficile, il y a des obstacles, mais on va y aller, vous êtes prêts? Hey les amis, voilà, on arrive presque au bout du parcours. C'est le passage le plus difficile. La première fois que j'ai dû le faire, je me dis oh là 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 là, est-ce que je vais y arriver? Mais il faut essayer parce que je suis pas très musclé, je suis pas très sportif, comme vous l'avez vu sur la vidéo. Mais il faut s'entraîner et j'ai dit je vais quand même affronter eh bien cet obstacle. On va voir si je vais réussir. En tout cas, il faut jamais avoir peur des choses difficiles. On y va? Voilà, c'est super, j'ai réussi. Et ben vous aussi, vous pourrez réussir à faire des choses difficiles. Et moi, j'aimerais vous raconter une histoire, l'histoire d'une jeune fille qui a fait quelque chose de difficile, plus difficile qu'un simple défi sportif. C'était très courageux, elle a partagé sa foi en son Dieu à un général qui était très très impressionnant. Nous allons ensemble découvrir cette histoire. Mais avant, je vous propose de terminer le parcours. Alors, on y va? Hey, salut. Écoutez, je suis très content de vous retrouver après le parcours de santé. Alors, je me suis téléporté dans le désert près de Damas, l'endroit où, semble-t-il, eh bien, était Naaman le Syrien. Par contre, il fait très chaud, 42 degrés à l'ombre, heureusement que j'avais pris ma gourde. Et en fait, cette histoire-là, elle est super. Naaman, c'était un général, le général de l'armée du roi de Syrie. Semblerait qu'à l'époque, ça soit Ben-Hadad II. Il était assez cruel et guerrier. Il a affronté le roi même avec une coalition, le roi de Assyrie. Et puis, il a attaqué Israël aussi. Heureusement qu'Akab, avec ses guerriers, l'ont repoussé. Et heureusement qu'ils avaient le prophète avec eux. Hein. Et donc, pour l'instant, ils sont en paix. Mais est-ce que ça va durer? En tout cas, ce qui se passe dans cette histoire, eh bien, c'est que il y a une petite fille. Cette petite fille, je vous l'ai dit, elle est courageuse, elle est servante, eh bien, de Naaman. Et malheureusement, Naaman a la lèpre. Il va pas pouvoir rester longtemps général. Alors, on va écouter cette histoire, si vous voulez bien. Je parle doucement parce qu'on ne sait jamais dans ce désert. Il y a peut-être des gens pas très fréquentables. Je suis courageux, mais peut-être pas autant que cette petite fille. Allez. On écoute l'histoire. L'histoire que je vais vous raconter se trouve dans la Bible. Elle se situe au temps des rois. Plusieurs peuples vivaient les uns à côté des autres. Parfois, ils étaient en guerre les uns contre les autres. Mais à ce moment-là, les Syriens et les Israélites vivaient en paix. Pourtant, dans un village du royaume d'Israël, des pilleurs syriens sont entrés dans les maisons. Ils ont volé les biens et mis le feu aux maisons. Ils ont aussi maltraité les gens et fait des prisonniers, comme cette petite fille d'ailleurs qu'ils ont emportée avec eux. Ensuite, les pilleurs l'ont sûrement vendue comme esclave. Oui, d'ailleurs, ils l'ont vendue comme esclave à un Syrien, nommé Naaman. Naaman était le général en chef de l'armée du roi de Syrie. C'était un homme riche, important, mais il avait une terrible maladie, la lèpre. La lèpre est une maladie de la peau très contagieuse. Il devait sûrement être au début de sa maladie, mais déjà, il ne pouvait plus toucher les personnes qui l'entouraient,
de peur qu'elle aussi tombe malade. Il avait une femme, sûrement qu'il avait des enfants, mais Naaman devait se tenir éloigné d'eux. Cela rendait tout le monde très triste. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite fille israélite qui était maintenant au service de Naaman et de sa femme? Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître se présentait au prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Waouh, elle était super cette histoire. Oh là là, eh bien, je vous avais dit qu'elle était courageuse. Elle a eu le courage de dire à ce général, ce qui était impressionnant, que eh bien, Dieu pouvait le guérir. Bon, vous avez remarqué, je suis revenu chez moi parce qu'il faisait trop chaud vraiment en Syrie. Hein. En tout cas, c'était pas évident, mais elle n'a pas eu peur, elle a dit, et vous voyez, grâce à elle, eh bien, le général Naaman, il est allé en Israël. Et vous voulez savoir ce qui s'est passé? On écoute la fin de l'histoire. Le serviteur d'Élisée annonça à son maître la venue de Naaman. Il était arrivé devant la maison avec ses chars et ses chevaux, et tout ce qu'il avait transporté. Il s'attendait à être bien reçu. Il pensait qu'Élisée allait l'accueillir chez lui, sûrement lui préparer un bon repas, s'intéresser à lui. Ben oui, c'était quand même le chef de l'armée du roi de Syrie. Eh bien, Élisée n'est même pas sorti de chez lui. Il envoya simplement quelqu'un dire à Naaman ce qu'il devait faire pour être guéri. « Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. » Naaman s'en alla très fâché. « Oh, je pensais que le prophète allait sortir de chez lui, qu'il allait prier pour moi, passer ses mains sur la lèpre ou je sais pas quoi. Mais à la place, il m'envoie me laver dans le Jourdain. Et d'ailleurs, pourquoi le Jourdain? Ce n'est pas une rivière magique, ça se saurait. Je pourrais aller dans la rivière de Damas ou dans le Parpare, c'est plus près de chez moi. » Naaman était vexé qu'Élisée ne soit pas sortie de chez lui pour le rencontrer. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui dirent « Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait? Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit? Ce n'est pas difficile de se plonger dans le Jourdain 7 fois. » C'est vrai. Naaman descendit donc au bord du Jourdain et il s'y baigna. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7 fois. Quand il ressortit, sa peau était redevenue comme celle d'un bébé, toute douce et purifiée. Il n'était plus malade. Dieu l'avait guéri. Maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu
pour le salut de quiconque croit. Bon, maintenant, eh ben, il me tarde de retrouver mes copains. Allez, salut! Au revoir! Au revoir! Waouh! On a bien compris maintenant hein, qu'il ne faut pas avoir honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais moi maintenant, j'ai envie de bouger, j'ai envie de sauter, j'ai envie de louer Dieu. Et vous aussi, n'est-ce pas? Alors, on va se lever de son fauteuil, de son canapé, de son lit ou même de son tapis. On se met debout et on va louer et célébrer Dieu. Et puis, après les chants, restez avec nous parce qu'il y a une surprise. C'était super d'avoir loué Dieu ensemble, n'est-ce pas? Ça va? C'est génial, notre vidéo se termine, mais je vous avais promis une petite surprise, un petit bonus,
Vous savez que cette histoire, je vous l'ai racontée, elle se trouve dans la Bible. On l'a vue aussi au travers du dessin. Elle existe aussi en dessin animé, mais elle a été aussi tournée en film. Et je vous ai mis un extrait de ce film. C'est tellement romantique. Les filles, elles vont craquer. Il y a la femme de Naaman qui est là. Et puis, il y a toute une histoire d'amour qui est là. Je vous encourage à regarder cet extrait de film. Vraiment, je prie, Seigneur, tu bénisses tous ces enfants qui sont là, qui nous écoutent, que tu les encourages toutes ces semaines à vraiment témoigner de toi, à partager leur foi et qu'ils aient pas honte de ton évangile. Amen. Voilà, regardez avec nous ce petit cadeau, ce feu film, et je suis sûr que même les garçons, parce qu'il y a, des guerriers, donc ça va vous plaire. On regarde et on termine. Allez, salut, à la semaine prochaine avec tous les autres moniteurs. Nishlin. Tlat is schlin, kahelin. Shatazarin is schlin a manu. Vila ya? Laithai. Taf. Ata! Ata! Or, en ce jour, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui entra au service de la femme de Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, grâce auquel le Seigneur avait délivré la Syrie. Naaman, מחשבין עשייה.
Tu es un homme bon et honorable. Tu es un homme de grande valeur. Je suis un lépreux. Le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître : la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. Et le roi de Syrie dit « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël afin qu'il le guérisse de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. « Suis-je un dieu ? Pour faire mourir et pour faire vivre ? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi : pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? D'aller s'y laver. Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager : va ! Va et lave-toi dans le Jourdain 7 fois. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. Je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux.
élève de Damas, Labana, et aussi le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Monseigneur. Monseigneur. Si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il te dit? Lave-toi dans le Jourdain et tu seras pur. Naaman retourna vers Élisée et dit : Voici,
je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. »